Oui, non, comme il allait y avoir des décisions qui vont être prises suite aux conclusions du grand débat, d'ici quelques temps, j'ai pu avoir quelques doléances hein, qui ont été faites par des Français, divers et variés, hein, pour voir un petit peu l'état d'esprit, est-ce qu'on va avancer, évoluer dans cette démocratie, dans cette république, grâce aux doléances des Français. Alors j'en ai pris au hasard, hein, par exemple Madame Germont qui habite Saint-Étienne et qui dit tous des cons. On a Monsieur Pieplu de Marseille qui lui dit tous pourris. Après on a Madame Gringoire de Cherbourg qui dit bande de connards. Voilà, après on a Monsieur Simonin qui habite Toulouse qui dit espèce de trou du cul. Madame Halimi de Strasbourg, bande de bâtards, allez vous. Voilà. Ben après c'est un. Mais on sent que hein, y a une volonté de. Hein, vers une démocratie plus. Oh si, bah quand même, on. Hein? Un peu. J'en ai, si, si, j'en ai une intéressante là. Ah, bah, alors, c'est Monsieur Pirolin de Saint-Julien-Molin-Molette. Alors, c'est ça. Cher président de la République, cher Premier ministre, cher gouvernement, allez tous vous faire en. Non, fausse alerte. C'est con, ça commençait bien.